Africain, africaine, bonjour. Ivoirien, ivoirienne, bonjour. Il y a de cela quelques jours, j'ai fait une vidéo où j'ai eu à répondre à la ministre chargée de l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire. En faisant cette vidéo, j'étais loin, très loin de m'attendre à l'onde qu'elle a produite dans vos vies. Vos réactions ont été à la mesure du message qui était véhiculé. Ce n'était ni un message insultant, ni un message rabaissant, mais c'était un message pour dire que bien que nous soyons à l'extérieur de notre pays et sa population ont toujours cette place de choix dans notre cœur. Le cordon ombilical qui me lie à la Côte d'Ivoire ne peut et ne sera jamais coupé. Vous avez réagi comme un tsunami. J'ai été surprise, j'ai été déboussolée, mais positivement. Je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo immédiatement pour vous dire merci. Et cette vidéo de remerciement a encore bouleversé, a encore cassé le plafond d'écoute et de partage. Merci infiniment pour la Côte d'Ivoire. On ne devient pas leader, on est leader. On vient avec ce sceau-là au monde. Mais ce sont les gens qui sont autour de nous qui nous propulsent à se rendre leader. On a beau être leader, mais si on est enfermé quelque part dans une case ou bien, je ne sais pas, on n'a personne pour nous le démontrer par les actes. Vous m'avez démontré que je suis un leader. Et je vous remercie infiniment. Mais le fait que vous m'ayez propulsé à ce niveau-là me commande, m'oblige, m'exige à vous servir en retour quelque chose de propre, de potable désormais. Il faudra désormais que je fasse très attention à ce que je vais dire et à ce que je vais publier sur les réseaux sociaux. Je ferai tout ce qui est humainement à mon pouvoir pour ne pas vous choquer, pour ne pas vous blesser. Mais ça ne veut pas dire que je vais passer mon temps à caresser dans le sens du poil. Je voudrais juste mériter la confiance que vous avez placée en moi sans me connaître seulement à travers une vidéo de droit de réponse de citoyenne ivoirienne que je suis. Alors, sur les conseils de plusieurs d'entre vous, une page a été créée par un Ivoirien. J'avais déjà fait des pages, mais c'était pas professionnel. Mais aujourd'hui, je rentre dans une autre dimension. Je rentre dans une autre phase grâce à vous et pour vous. Alors, la page officielle a été créée. Eben Boané officielle. Sur laquelle j'aimerais que vous alliez vous abonner. Et maintenant, les vidéos, c'est là-bas que je vais les mettre et je vais les publier sur ma page personnelle, sur mon compte personnel. Encore une fois, je vous dis merci. Et le leader, il n'existe que parce qu'il y a des gens qui le poussent. Le leader, il n'existe que parce qu'il y a des gens autour de lui qui lui démontrent qu'il a de la valeur à leurs yeux. Le leader, il n'existe que lorsque il produit des choses dans l'intérêt des gens qui ont confiance en lui. Alors, j'aimerais vraiment mériter votre confiance. J'aimerais vraiment mériter votre amour. J'aimerais vraiment mériter ce que vous attendez de moi. C'est maintenant que ça commence pour la Côte d'Ivoire. La terre de mes ancêtres. La terre qui a reçu mon placenta et mon cordon ombilical. Ce cordon qui me lie à la Côte d'Ivoire. Je l'aime, la Côte d'Ivoire. J'aime son peuple et je respecte ceux qui ont décidé de venir vivre avec nous et qui nous respectent. Pour la Côte d'Ivoire, je suis debout. Merci. Je vous aime. Bye.